Les spectateurs de Congo Life Télévision, Ndenge Toulobaka, Congo Life Télévision, au cœur de l'information, l'information à temps réel. Nous voici dans ces beaux cadres, ces cadres idéaux, au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Là, derrière moi, vous regardez le centre financier de Kinshasa, ces tours qui fait parler beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, ces tours construits à l'espace des 18 mois, jamais fait en République démocratique du Congo, comme cela a fait des commentaires que des genres d'infrastructures, vous allez trouver ça au cœur de Manhattan, mais ce n'est pas à Manhattan, c'est en République démocratique du Congo. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes fiers d'avoir ces genres d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie politique en République démocratique du Congo et nous allons parler aussi de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Déjà, je vous tiens à vous dire bonne fête de fin d'année, de festivités. De partout où vous nous suivez à ce net moment, nous sommes au centre financier de Kinshasa. Ces tours qui possèdent l'administration du ministère des Finances ainsi que des régies financières de la République démocratique du Congo. Une salle très vaste qui va faire office des manifestations et de tout cela que vous allez découvrir. Je suis ensemble avec Espoir, venu de Goma. Il est au cœur de Kinshasa, il est ici à Kinshasa. Vous allez aussi savoir, Monsieur Espoir, vous pouvez venir. Bon après-midi. Merci, apparemment. Surtout, me veux les meilleurs à tous nos compatriotes congolais et aussi quand même aux Kinois pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Mais aussi, j'ai dit, me veux le meilleur à nos jeunes compatriotes, ceux-là qui sont sur les champs de bataille, puisqu'il faut qu'on les signale. On est là, mais maintenant, à l'heure où nous parlons, nos compatriotes congolais, les Ouazalendo, sont en train de s'affronter aux forces négatives rwandaises, les terroristes rwandais M23 RDF, dans les Mushaki et à Karuba toujours. Alors, comme nous avons dit que nous allons aussi parler de ça, parce que c'est de l'actualité, c'est la situation où le chef de l'État lui-même, il a promis, le chef de l'État est en train de se préparer avec la force de la défense ainsi que le militaire pour pouvoir agir, malgré, nous allons décortiquer ça durant cette émission, mais nous allons parler de la vie politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, M. Espoir, vous êtes à Kinshasa, et de Goma, là où vous êtes, quand vous venez ici à Kinshasa, c'est toujours chez vous. Alors, quand vous regardez la vie politique en République démocratique du Congo, quelle analyse pouvez-vous faire? En fait, si on peut essayer d'analyser la situation politique dans notre pays, il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais je pense petit à petit, ça doit marcher. Puisque si vous regardez la politique d'ailleurs, l'opposition reste l'opposition, la majorité reste la majorité, quoique l'objectif reste de conquérir les pouvoirs ou bien de conserver les pouvoirs. Mais chez nous, quand même, il y a encore beaucoup de choses qui n'évoluent pas. Je suis sûr et certain que dans les jours à venir, comme vous le savez, à l'époque, c'était l'unique parti politique. Mais aujourd'hui, nous avons le pluralisme politique. C'est que nous avons déjà beaucoup de partis. Aujourd'hui, les droits de l'opposition, c'est garanti, les devoirs. Puisque quand vous avez les droits, vous avez aussi les devoirs. Et aussi, il faut comprendre que la majorité, donc le parti au pouvoir, ils ont les devoirs de respecter les droits de l'opposition. Mais ce que je constate est que dans notre pays, il y a encore cet égoïsme politique. Les politiciens, que ce soit les opposants, ils ne cherchent que leurs intérêts, ils oublient les souverains primaires, mais aussi quelquefois, la majorité aussi oublie les droits des souverains primaires. Or, en principe, dans la démocratie, quand on parle des souverains primaires, on fait allusion à la population. C'est que nos politiciens doivent réfléchir dans l'avenir comment laisser cette place, puisque normalement, c'est nous qui devrions être à la première place, nous les souverains primaires. Mais je suis sûr et certain qu'on va y arriver. C'est un devoir que nous laissons à tous les politiciens, à toutes les classes confondues, l'opposition comme la majorité. Ils doivent comprendre que si on gouverne, c'est pour chercher à résoudre les maux qui gangrènent la société. Si on cherche le pouvoir, il faut savoir qu'on le cherche puisqu'on veut apporter une solution sur ce qui n'a pas marché. Mais quand vous conservez le pouvoir sans répondre aux désidératas de la population, ou bien quand vous cherchez
le pouvoir sans avoir un programme d'action, bien un plan d'action, moi je pense que nos politiciens doivent se pencher sur cette matière-là afin que nous ayons des bons politiciens. Des choses évoluent en RDC, oui, mais quand même jusque-là, ça n'a pas encore évolué comme veut les citoyens congolais. Lorsque vous avez vu les quinquennats passés, donc 5 ans passés aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait les 5 ans, et ces 5 ans, et il demande de la population, parce que nous sommes dans ces processus de résultats partiels que la CENI est en train de ressortir jusqu'à ce qu'il va publier celui qui a gagné les élections. Ça sera aussi des résultats provisoires qui sera confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais lorsque vous regardez les quinquennats de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'il y a aussi quand même cette volonté-là de faire bien les choses en République démocratique du Congo? En fait, vous savez, le chef de l'État, pour le dire sincèrement, il est venu avec de bons projets. Mais le sérieux problème, il s'est entouré aussi de quelques conseils qui n'ont pas facilité la tâche comme il fallait. Et parmi beaucoup de projets avec qui il est venu, moi, si j'étais son conseiller, je devrais lui dire au début de partir soit avec 2 ou 3 projets essentiels. Puisque ce qui est sûr, tous les projets qu'avait le chef de l'État, c'est essentiel, mais ce n'est pas urgent. Et il y a aussi, c'est ça ce qui manque aussi à nos politiciens, il y a des questions nécessaires et urgentes, il y a des questions nécessaires mais qui ne sont pas urgentes. Mais je vais prendre quand même, je vis avec le projet de 145 territoires, c'est un bon projet qui a facilité la construction des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, c'est quelque chose que nous félicitons. Quoique ce n'est pas encore réalisé comme il fallait le réaliser, je pense que même si les Congolais décidaient de lui donner le 5e mandat, il fallait y aller. Mais aussi, il faut aussi avoir l'accès, normalement, surtout sur les routes de dessertes agricoles. Puisque moi qui vis au Nord Kivu, il y a des routes. Si on ouvrait ces routes, je vous jure qu'au Nord Kivu, on peut nourrir toute la province et toute la République. Mais aussi, il faut voir comment mobiliser des moyens conséquents et essentiels pour que la ligne aérienne puisse être facilitée. C'est inadmissible, nous qui avons une terre arable, que nous puissions consommer de la nourriture qui provient de l'Afrique du Sud, qui provient au Canada, à Chine, Turquie. Non, nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Il faut tout simplement faciliter la ligne aérienne ou bien construire des rails, que nous ayons quand même la facilité de faire couler tout ce que nous produisons, soit dans notre capitale ou bien dans des villes. Et je pense que ce projet de développement de 145 territoires, si on se concentre sur l'axe de l'ouverture ou bien amélioration des routes des déserts agricoles, ça peut contribuer. Comme vous le savez, il y a eu aussi ce projet de la construction de ces centres financiers. Non seulement que c'est historique, mais aussi c'est essentiel, puisque beaucoup de gens, moi-même quand j'étais au Nord Kivu, quand j'avais vu la photo, je ne croyais pas si réellement c'est à Kinshasa. Mais en y arrivant, je comprends, nous ne sommes pas à Istanbul, nous ne sommes pas à Ottawa, nous sommes à Kinshasa. C'est quelque chose de bon, mais aussi ça va à permettre une traçabilité dans les fonds mobilisés. Il y a aussi quand même parmi les projets du chef de l'État, les projets que moi je considère comme essentiels, c'est la refondation de l'armée congolaise. C'est un grand projet qui n'est pas un projet moindre, mais c'est un projet qui demande des moyens, c'est un projet qui demande les sacrifices. Et les sacrifices n'est pas seulement le chef de l'État seul, puisque la République n'est pas gouvernée par le chef de l'État seul. Il est le commandant, oui, de cette révolution, mais nous aussi, la population, nous participons et nous devons continuer à participer. Ne fût-ce que de poser les jalons pour la construction de l'armée, ce n'est pas chose moindre. Et on félicite pour ce qui est fait, mais nous voulons que nous puissions aller au-delà de ce que nous avions déjà fait. J'ai dit nous comme la population, mais aussi ce que les autorités ont déjà fait comme les dirigeants. Alors, nous allons repartir, du côté de l'Est de la RDC, les chefs de l'État qui aujourd'hui, vous avez dit qu'ils prônent aujourd'hui la refondation de l'armée. Et il y a aussi le Parlement qui a permis, qui a limité le brassage et le mixage. Aujourd'hui,
le M23 et les Ouazalendo sont en train de s'affronter. Malgré que nous sommes pendant ces périodes de festivités, nous sommes pendant cette fin d'année, il y a la situation sécuritaire qui s'impose. En fait, aucun citoyen de l'Est peut parler de la festivité, puisque nous ne reconnaissons pas la fête chez nous à l'Est. Comme vous rappelez très bien, c'était dans le mois de décembre que les petits Rwandais, ces terroristes M23, avaient attaqué la ville de Goma en 2013. C'est que nous avons une douloureuse histoire, c'est pourquoi nous, à l'Est, on ne fête même pas. On est toujours en alerte. Mais quand même, je félicite l'Assemblée nationale du fait qu'ils ont refusé de dialoguer avec ces terroristes. Comme vous le savez, c'est à cause de ces dialogues répétitifs que ces gens sont parvenus à infiltrer même notre armée. C'est à cause de ces dialogues que ces gens, ils sont parvenus à occuper même des postes stratégiques dans cette République. C'est à cause de ces dialogues que nous avons ces autorités politico-militaires qui ont fait défection, comme vous le savez très bien. Il y a beaucoup entre eux qui ont fait défection et qui ont accepté de rejoindre leurs frères d'armes, les terroristes rwandais RDF 123. C'est que je félicite l'Assemblée pour ça, mais moi je ne me limiterai non seulement pas à remercier l'Assemblée, mais nous demandons que nos députés dans la loi budgétaire de 2024, qu'ils puissent quand même doter un moyen conséquent à la défense pour que notre armée, notre police puisse continuer à avoir toujours des moyens essentiels. Puisque la RDC, pour que nous puissions parvenir à nous imposer sur la scène internationale, en principe, nous devons avoir une armée efficace. Nous devons avoir des militaires, des policiers mieux payés pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. Et aussi, moi, je proposerais même qu'il y ait la révision de nos services de renseignement, puisque la plupart au sein de l'ANR, certains entre eux proviendraient même de ces belligérants terroristes rwandais, RDF 123. Vous le savez, que sous le régime de Kabila, on les faisait entrer comme ils voulaient. Moi, je pense qu'il faut aussi revoir ces services et ceux-là qui vont venir, qu'ils puissent avoir quand même les moyens conséquents afin qu'ils puissent mieux faire leur boulot. Alors, des combats dans les Massissi, ce lundi, des sources locales affirment que les affrontements ont repris entre le Ouazalendo et le M23 dans les localités de Mouchaki et de Karouba, proches de la ville de Sake. Et des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans la zone, indiquent plusieurs sources. Ils ne donnent cependant pas encore plus de détails sur ces combats qui se déroulent dans la zone, mais elle précise craindre une dégradation de la situation qui risque de toucher Sake. Aujourd'hui, l'enjeu est Sake. Ce qui est sûr, ces petits Rwandais, comme vous le savez, ils n'ont pas le soutien de la population congolaise. De partout là où ils passent, ils sont hiués, chassés par la population congolaise. Et pour eux, ils pensent peut-être, s'ils parvenaient à s'accamparer de la cité de Sake, ça peut leur faciliter, ça va mettre pression sur les autorités. Comme vous le savez, ils ont tenté de rejoindre la mine de Rubaya, mais ça n'a pas tenu. Ils ont tenté de récupérer Sake, ça n'a pas tenu. Je félicite les jeunes d'autodéfense Ouazalendo qui combattent les champs de bataille. Je félicite aussi l'armée pour sa détermination. Mais moi, je serais très heureux si la jeunesse de Kinshasa pouvait aussi se soucier de cette guerre comme nous, on se soucie de cette guerre. Si tout le monde on pouvait comprendre que ce n'est pas la guerre de Tshisekedi seul, ce n'est pas la guerre du gouvernement, c'est la guerre de la population. Mouzen Laurent Désiré Kabila l'avait dit, cette guerre, c'est la longue et populaire. Mais nous ne voulons pas comprendre ça. C'est un danger majeur puisque ce qui risque d'arriver à la ville de Goma, ça peut risquer d'arriver à Kinshasa, ça peut arriver partout ailleurs. C'est pourquoi nous devons tous prendre conscience et comprendre qu'il y a ces dangers. C'est qu'ils se battent, ils tentent à prendre ça, qu'ils tentent à prendre Rubaya, mais ils ne vont pas y parvenir puisque les jeunes, on ne baisse pas garde. C'est un devoir majeur. Si on attend que c'est Kinshasa celle qui combattra, que c'est l'armée celle qui combattra, on ne gagnera pas. Comme vous le savez, au sein de l'armée, là je ne cache pas mes mots, au sein de l'armée, il y a certaines personnes promises ici dans les 1-23 et qui font défection et d'autres qui sont toujours là et ils collaborent toujours. C'est pourquoi la vigilance citoyenne, c'est une réponse. Cette guerre est en cours, mais nous allons la gagner.
Voilà. Alors, parce que le chef de l'État, quand on regarde le chef de l'État, le commandant suprême, le chef de l'État est déterminé à en finir avec, cette guerre imposée par le M23, qui d'autre que lui-même, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit que c'est le Rwanda, c'est pas le Rwanda, mais Paul Kagame, qui est derrière avec l'ensemble des impérialistes. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, demande à la population le deuxième mandat, et il y a déjà des résultats partiels qui sortent en sa faveur. Dès qu'il entre à l'investiture au mois de janvier, déjà qui est déjà à l'horizon, qu'est-ce qu'il doit faire nécessairement? Parce que vous, vous palpez la situation du doigt, parce que vous êtes dans Goma, vous êtes avec les Ouazalendo, vous bouffez avec les Ouazalendo, vous partagez avec les Ouazalendo. Qu'est-ce que vous, Ouazalendo, vous demandez au président de la République pour les quinquennats ici à venir qu'il fasse pour cette guerre de l'Est de la RDC? Moi, je crois que nous n'avons pas rappelé au chef de l'État. Le chef de l'État, dans les 5 ans qu'il venait de faire au pouvoir, je suis sûr et certain qu'il est parvenu à comprendre actuellement quels sont les rouages sécuritaires, quelle est l'urgence, quelle est la nécessité pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Mais aussi pour des raisons de convenance personnelle, mais aussi puisque nous devons prendre aussi la discrétion, je crois qu'il y a un cahier des charges qui sera remis au chef de l'État. C'est pas pour lui dire ce qu'il va faire, mais c'est pour essayer de le rappeler et mettre aussi un peu de pression sur lui, afin qu'il puisse résoudre dans l'urgence certaines questions. Mais aussi, je crois, le chef de l'État, ces deux dernières années, il a montré l'esprit lumumbiste en lui, il a montré l'esprit de Mouzet Laurent Désiré Kabila en lui, puisque parvenir à faire tête haute à ces Kagame qui tuent, qui violent, qui traversent même des frontières pour tuer, à ces Kagame qui avaient commandité la mort de Mouzet Laurent Désiré Kabila avec ses collaborateurs, ce n'était pas chose facile. C'est pourquoi je remercie d'abord la population congolaise pour aussi les bravoures, puisque tous dans la ville de Goma, comme vous le savez, dans les grands, dans la province de Kivu en général, même certains aussi à Kinshasa, on a accepté d'affronter la monstre. Et la monstre est affrontée. Je crois qu'au deuxième mandat, si les citoyens ont décidé de donner ce deuxième mandat, son deuxième mandat, je crois qu'il connaît déjà des questions essentielles. Et nous ne viendrons que pour intervenir dans des questions qui nécessitent notre rappel. C'est que les citoyens en général, je crois qu'ils vont constituer un cahier de charges qu'ils vont remettre au chef de l'État. Et je suis sûr et certain, si on continue comme ça, on va parvenir à imposer et à arracher, puisque je l'ai dit, le respect ne se donne pas, le respect s'arrache et s'impose. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. Et sûr et certain que vous allez, et la République démocratique du Congo va y arriver par le biais de son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, lorsque nous regardons Goma, est-ce le quinquennat à venir? Faut-il continuer avec l'état de siège ou soit faut enlever l'état de siège et faire rétablir les autorités civiles? Est-ce qu'il y aura toujours l'état de siège qui va aller en continuité pendant les 5 ans à venir, ou soit il y aura rétablissement? Et vous, qu'est-ce que vous demandez? Il y a beaucoup de propositions pour la gestion de la République par la province de Kivu seul, c'est que les 26 provinces. J'ai suivi le chef de l'État, il n'a pas écarté l'idée de voir nommer lui seul le gouverneur, qui semble une chose meilleure, puisque comme vous le savez, il y a de ces provinces-là où le tribalisme règne, il y a de ces provinces-là où, comme c'est l'un de nous, comme c'est notre frère, comme c'est notre enfant, même s'ils commettent des fautes, on les laisse comme c'est nous qui l'avions élu, autre chose comme ça. Mais le chef de l'État, avec les parlementaires, je suis sûr qu'ils vont décider autrement sur la gestion des 26 provinces. Mais si on peut parler de la province Nord Kivu, l'état de siège est constitutionnel, ça les gens doivent le savoir. Mais l'état de siège chez nous avait comme objectif rétablir l'autorité de l'État. Malheureusement, l'état de siège n'a pas si rétabli l'autorité de l'État comme il fallait la rétablir. Alors nous attendons, ils vont décider, puisque ce n'est pas nous qui avions décidé pour la restauration de l'état de siège. Mais je suis sûr et certain qu'à travers le nouveau Parlement, ils vont tabler sur ça. Et pourquoi pas, voire même lever l'état de siège avant. Alors, moi, je demanderai au chef de l'État de rétablir l'autorité civile, puisque ça donne un peu de la confiance entre les deux civils.
c'est un peu différent entre les militaires, mais entre les civils, c'est assez possible. Alors, je ne dis pas qu'on ne collabore pas très bien avec l'autorité militaire, puisqu'on est en contact tout le temps, on parle avec lui tout le temps, mais quand même, nous, on aimerait qu'on puisse concentrer les militaires sur les champs de bataille et les séparer de la gestion politique. L'armée est apolitique, on ne peut pas beaucoup mixer l'armée dans des choses ou bien dans des questions politiques. Je sais que l'autorité y réfléchit, et le vœu du chef de l'État, c'est de lever l'état de siège pour qu'on puisse rétablir l'autorité civile, mais quand même, il y a encore quelques contraintes qui ne facilitent pas au chef de l'État de lever l'état de siège. Mais je suis sûr et certain que dans les jours à venir, on va l'élever. On va lever l'état de siège. Aujourd'hui, quel message lancerez-vous à la population de Goma et même à tout le peuple congolais quant à cette situation? Parce que nous sommes pendant la période de festivités et déjà, avant le 31 décembre, Denis Kadima, le président de la CENI, a promis de publier le nom de celui qui a gagné. Alors, quel message lancerez-vous? Mais vers le meilleur à nos compatriotes du Nord Kivu, même ceux-là qui sont maintenant à l'entrée à défouir les bandes de ces terroristes rwandais RDF 123, et aussi mais vers le meilleur à ceux-là qui tiennent tête haute. Mais je sais que la population du Nord Kivu sont tous des Wazalendo, et je n'ai pas à les dire, à part leur souhaiter du courage et les féliciter pour la résistance. Je nous félicite tous du fait que nous avions si résisté en dépit des attaques, des menaces que nous recevons, mais quand même la population résiste et nous résistons aussi. J'aimerais plutôt demander aussi à la population congolaise vivant à Kinshasa, nous sommes là pour récolter quelques dons qu'on peut apporter à nos compatriotes qui sont sur les lignes de bataille, mais aussi je demande à la jeunesse, nous devons quitter la distraction, nous devons contribuer à la construction de notre pays. Nous sommes un pays 90% majoritairement jeunes, et je veux que cette jeunesse puisse participer à la construction. Défendre votre République, ce n'est pas seulement porter l'arme, ce n'est pas seulement intégrer la police ou bien l'armée, ou bien servir sous les drapeaux, c'est aussi combattre sur toutes les lignes de front. Et comment sur toutes les lignes de front? C'est soit orienter aussi les autorités, donnons les autorités des idées innovatrices, c'est soit aussi contribuons à rendre notre pays propre, contribuons à l'économie de notre République. C'est que tous les jeunes, je nous appelle de devenir tous ces Wazalendo. Wazalendo ne veut pas dire seulement celui qui porte l'arme, mais Wazalendo, c'est celui-là qui aime son pays, c'est les nationalistes. Et aimer le pays, ce n'est pas seulement danser ou chanter pour les autorités. Aimer le pays, c'est aussi orienter l'autorité politique. C'est aussi donner des points de vue positifs lorsqu'il s'agit de la nation, c'est aussi combattre le détournement et la corruption. C'est ça aussi les Kizalendo. C'est que nous sollicitons votre soutien et nous sommes contents de votre soutien. Merci beaucoup, M. Espoir. Vous venez de Goma jusqu'à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes derrière nous ces centres. Aujourd'hui, que les Kinois et Kinoises sont fiers et même pas seulement les Kinois et les Kinoises, mais aussi la population congolaise dans l'ensemble se voit dotée de ce genre d'infrastructures dans le cadre des projets des 145 territoires. Si vous voyez aussi quelque chose de pareil à Goma, c'est aussi un plaisir. Oui, en fait, comme vous le savez, Goma, c'est la deuxième plus belle ville de la RDC. Et on aimerait que l'autorité, l'État puisse aussi investir massivement. Surtout, comme vous le savez, la ville de Goma a été victime de la spoliation de beaucoup de terrains de l'État, spoliés par certaines personnes envoyées par Kinshasa et d'autres de la province d'Ouzou. Et d'ailleurs, c'est parmi les projets que nous allons soumettre aussi au chef de l'État, de combattre pour que tous les biens de l'État spoliés puissent revenir. Comme vous le savez, il y a beaucoup de biens spoliés. Je sais que le chef de l'État n'en est pas au courant, mais on fera tout pour qu'il en soit au courant. Et aussi, ça va plaire à la population, du fait que, parce que comme vous le savez aussi, il y a aussi le partage des ressources de la République. Cela crée aussi problème, mais je suis sûr et certain qu'avec l'idée des chefs de l'État, le partage équitable des biens de la République, c'est parmi son combat et je suis sûr qu'on va y arriver. C'est que je ne serai pas étonné quand je vais voir même chez nous à Goma de telles constructions de l'État. Merci beaucoup. Vous avez un mot de la fin? Parce que ça nous arrive à la fin. Le mot de la fin, je remercie la population congolaise, les Kinois. Je remercie tout le monde pour la résistance, puisque ce combat, ce n'est pas un combat
ce que dit celle, ce que dit peut partir, moi je peux partir, l'autre peut partir, mais le Congo va rester. Les gens vont comprendre avec ce soleil. On doit comprendre qu'on doit tous participer dans cette guerre. Et la participation, c'est sur tous les plans. C'est que, comprenez, c'est ton pays, c'est mon pays. L'héritage commun s'appelle la RDC. Ça nous appartient tous. On a gagné sur le plan électoral, puisque le petit Français, la petite France, la petite Amérique, ils pensaient que nous n'allons pas organiser les élections, mais c'est organisé. Et c'est organisé au nom du peuple congolais. C'est comme ça que nous allons encore nous unir tous pour encore gagner ce combat. C'est nous celles qui allons accepter de siouer pour que notre pays soit les vœux de Lumumba, de Kimbangu, de Kimpavita et tous les autres héros. Merci beaucoup, Monsieur Espoir. C'était un réel plaisir pour moi. Là, je dois vous laisser partir. Un grand merci à vous. Merci. Allez-y. Fidèle téléspectateur de Congo Live Télévision, c'est bel et bien, c'est que nous vous avons fait part de la situation quant à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de tout ce qui touche la République démocratique du Congo. Nous avons chuté par la situation sécuritaire. Nous sommes toujours là pour vous servir et vous servir un travail de qualité. C'est pourquoi nous sillonnons à travers la République pour vous donner des informations fiables et vérifiables. Ces genres d'infrastructures que nous, Congolais, nous sommes fiers de vous voir et de palper du doigt avec ces centres financiers, et ça nous fait réellement un grand plaisir parce que on en trouve ce genre d'infrastructures peut-être à Manhattan, peut-être en Europe, mais à Kinshasa nous avons ce genre d'infrastructures, ça vaut 1000 or. Là, je vous dis un grand merci d'avoir été très nombreux en train de nous suivre. Continuez de faire confiance à Congo Live Télévision. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur Congo Live Télévision. Allez à l'icône j'aime, aimer, pour que cette vidéo puisse toucher des milliers de personnes et que partager cette émission afin que nous puissions constituer cette grande communauté. Un grand merci pour la confiance et nous aussi, nous allons continuer de travailler, continuer de se battre pour vous servir un travail de qualité. Restez branchés, restez connectés. C'est votre Mwana Mboka national, Olivier Makai.